Et voilà Blake. Alors comme vous pouvez le constater, ce cheval est gris. Alors c'est très important que ce cheval soit gris, pourquoi? C'est un fils de Chichi Castellando. Chichi Castellando, un excellent étalon, dauphin de la Bagou dans le prix du Jockey Club, remarquable reproducteur, qui avait jusqu'alors trois fils étalons. Alors Chichi Castellando a fait son début de carrière comme étalon en France, il a tellement bien produit qu'il a été acheté pour de très fortes sommes pour le Japon, mais heureusement il est mort après, après quelques années. Et donc Chichi Castellando, bien sûr, c'est le père de Vision d'État. Chichi Castellando est également le père de Sonora, on en parlera un petit peu plus tard, aussi père de Chichi Président. Trois étalons qui sont pères. Et lui, son quatrième fils, est lui. Alors cela est très important, parce qu'il va pouvoir transmettre, c'est le seul dans ce cas-là, à pouvoir transmettre ce gène gris qui a donné tant de réussite dans cette lignée mâle. Lignée mâle, donc Chichi Castellando, c'est Smadoun, Smadoun c'est Kagoun. Toute la descendance en animal de Greg Sovereign derrière lui, qui a remarquablement fonctionné en France à travers les descendances de Mialix, les descendances de Kaloum et aussi les descendances de Rios Tonor, aussi la famille de Kelmar, Keldor, donc qui a énormément marqué l'élevage français depuis une vingtaine d'années. Alors ce mec débute. Depuis pas longtemps de l'entraînement, il était entraînement chez Élie Lelouch, remarquable carrière, longue carrière, de l'âge de 3 jusqu'à 7 ans, un cheval qui mesure 1,64, plus de 400 000 euros de gains qu'il a obtenu à travers de nombreuses victoires, notamment dans les courses de groupe. Son fait d'armes, c'est le prix Maurice de Neul sur 2500 mètres, groupe 2, sur les courses de Maison Lafitte. Il a aussi remporté le prix de Parqueville, un groupe 3 sur les courses de Longchamp sur 3100 mètres, mais également 4 épreuves de nouveau listeur, le Prévoslova, le Denizy, le Scaramouche et le Rail Royal. C'est la dernière épreuve qu'on dispute sur les coraux de Saint-Cloud. Également 3e de la prix Pierre Gorlet de Américain, le cheval américain qui a remporté dans la foulée la fameuse Melbourne Cup, le premier cheval français à remporter cette épreuve mythique qui se dispute en Australie sur les coraux de Melbourne, bien sûr. Donc un cheval de très haut niveau de course qui débute. Ici est à l'autre, il y aura des châtaigniers chez Xavier Brelot. Il y aura des châtaigniers, c'est pas très bien puni dans la Saône-et-Loire. Un rat qui accueille également Willy Well, on en parlera un petit peu plus tard quand on le verra. Son prix de sa limite, 500 euros, nous l'invitons. Au niveau de sa souche maternelle, puisqu'on a déjà beaucoup parlé du père, c'est donc Chichi Castellando. Au niveau de la souche maternelle, elle est par Exit Tulouer, sa mère.